Bonjour et bienvenue. Donc on se retrouve pour du Death Stranding. Donc la dernière fois l'épisode s'est coupé un peu brutalement. C'est tout simplement c'est parce que... Oh tiens, on a encore un nouvel email. C'est parce que j'ai coupé en fait 20 minutes de la vidéo. Alors, on s'est pas dit au revoir du coup, on s'est pas serré la main. Enfin quoi que se serrer la main on peut plus. Mais on s'est pas dit au revoir parce que voilà, j'ai coupé 20 minutes. Donc on va directement sortir. C'est parce que je suis allé en fait donc à la recherche du cube. Et on parle après, bien sûr. Sorry about the mess. I got caught in the rain. Waiting it out, but when I check the time, I'm sorry. I should have come sooner. I got rain in my eyes. Just give me a minute. Je suis triste. C'était un peu triste, il pleurait le papa. Oups. Oh. Est-ce que j'aurais dit un spoiler? Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que... Pourquoi j'ai coupé 20 minutes? C'est parce que je suis allé à deux camps de mules, en fait, bêtement. C'est vrai que j'avais mal fait la direction. Parce qu'il dit que c'est au nord-ouest du centre. Hein. On va remontrer... ça. Donc nord-ouest du centre de distribution au sud de la ville relais, du lac. Donc c'est ici le centre relais, donc au nord-ouest du centre. Welcome, Sam Porter Bridges. Donc nord-ouest, c'est là. Hein, on est d'accord, le N nord, W ouest, c'est en anglais évidemment. Donc nord-ouest, c'est par là-bas. Donc hop. Hop là, et on arrive à un camp de mules qui traîne par là en fait, je crois bien. Peut-être ça. Ou peut-être là. Un truc comme ça, je crois. Attendez, on va virer ça. Voilà. Et moi en fait, ce que j'ai fait bêtement, c'est vrai que je me suis mal repéré avec la description. Donc au début, je suis allé là-bas parce que je pensais que nord-ouest était là. Donc je suis allé dans ce camp de mule, et après je suis allé dans ce camp de mule, mais en fait non, c'est pas du tout, c'est tout faux ce que j'avais fait, donc c'est bien dans cette direction là. C'est peut-être là. Quoique non, ici c'est avec l'autoroute, si je me rappelle, ça c'est l'autoroute. Non, générateur. Je crois que l'autoroute elle passe par là. Et ici c'est un lieu de BT, c'est à côté de l'abri en ruine où il y a plein de BT. Là aussi c'est un lieu avec plein de BT, donc je pense que c'est par là. Donc on va aller par là. Et après ce que j'ai trouvé, donc on va juste faire ça, je vais regarder s'il n'y a pas de livraison pour le cube, normalement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a partagé? Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. Marchandises, vieille photographie. Ah, c'est pour ici, d'accord. Ça c'est bien, ils vous disent quand c'est ici. Juste, alors, il y a la commande pour ça. Alors, livraison de vieux composants au ferrailleur. Donc, on va aller retrouver le ferrailleur. Ça, c'est un peu notre... pour avancer dans l'histoire, il faut rencontrer le ferrailleur. Donc, on a ça à faire. Après, livraison de tablette au réalisateur. On va pouvoir faire ça aussi. On va faire les deux, mais plus tard. La métaux, ultra résine, précieux, texte de l'histoire de l'Amérique, ration alimentaire portable. Ok, il n'y a rien de... Ça va, il n'y a rien de spécial. On va faire une livraison, livrer nos marchandises perdues. Alors on va zapper. I got it. On va zapper des trucs comme ça, on les zappe un peu. Ah, par contre, on a récupéré une étoile du coup. Yes, on a récupéré ça sur. Peinture de carrosserie. Donc on peut changer la couleur des véhicules. Et maintenant, on est devenu un déménageur d'élite.
Vous recevez plus de likes, cool. Well, take care of yourself. Yeah. T'inquiète. T'inquiète, on gère. On gère. Par contre, il y a autre chose que je voulais voir. Ah oui, les cartes mémoire. Parce que j'avais oublié de donner la carte mémoire la dernière fois. Je crois que j'en ai donné qu'une, je sais plus. Ou peut-être que je l'avais déjà donné. Tasse à café. Ah non, je pense pas que je l'avais déjà donné. Ok, fragile nous a donné. Bon, il n'y a pas de... Alors, est-ce qu'on prend ça? Il y a quoi là-dedans? On va mettre ça dans le casier privé. On va se vider un peu parce qu'on va juste aller là-bas pour récupérer le cube. Hein. Après, le reste, on s'en fiche. Alors... peut-être le lance-bolas, on va le garder. On va voir. Sur le dos. Alors, le transporteur dans le casier privé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur nous? Il faut se préparer parce que là, on va combattre. Hein. Je vais garder quand même deux caisses de grenades de sang. On sait jamais. On sait jamais. Après, on a un flottant, on a une échelle, du spray. Le spray, on va le virer aussi. On peut garder un truc flottant sur nous. Même, quoique non, nous on vient juste pour le cube. Honnêtement, on s'en fout du reste. Au pire, si vraiment il y a quelque chose d'important à prendre, ce qu'on fera, c'est... on leur empruntera un véhicule, ok? Voilà, très bien. Oui, du coup, on n'en a pas de véhicule. Alors, je vais voir s'il n'y a pas une moto. À prendre, garage. Yes. On va prendre celle-là. Après, on peut en crafter des motos. Hein. On peut en crafter nous-mêmes, hein, en créer nous-mêmes. Allez, c'est parti. Alors, avant d'y aller, alors on avait dit ici. Alors, attendez, on va enlever les marqueurs. Alors ici, ça. On va aller d'abord là, je pense. Ouais, je pense que ça doit être là. C'est 600 mètres. Allez, avance. Très bien. Pas grave, il y a un pont juste à côté, mais on n'a pas besoin d'y aller. Ouais, on voit, il y a les mules. C'est un camp de mules, ça. Quoi ce bruit? Non, c'est les bagages sur les épaules qui font du bruit. Est-ce qu'on peut passer? Ouais, ça va. Tant que c'est pas rouge, ça va. Voilà, détection du scanner déjoué, voilà. Là on l'a bien fait. Ouais, il faut la première impulsion et après vous envoyez votre scanner. Alors est-ce qu'ils ont des camions qui rôdent? Il y a des mules là. On va voir si on peut pas faire le tour. C'est embêtant parce qu'on n'a jamais vraiment de un bon endroit pour se cacher. Parce que là, ils peuvent me voir. Si le mec il tourne, c'est possible qu'il me voit en fait. Ok, on y va. Infiltration à la Metal Gear. Ok, il y a deux. Non, un seul. Il y a un camion. Il y a une mule là-bas. Ça se déplace. J'ai l'impression. Il y a une mule ici aussi. Ok.
J'espère qu'il n'y a personne sur la gauche, j'ai pas regardé, c'est pas malin. Très bien. Oh! Oh oh, cube, cube! Je crois qu'il est là. Oh, c'est une mule ça? Ouais, c'est une mule. Attends, elle va se retourner là, je crois. Je sais pas que si on les attaque de loin au bolas. Oh merde, bah tiens, on va tester. Est-ce que ça va les alerter ou pas? Bon bah. La réponse est oui. Fait chier. Ouais, il nous faudrait des armes en fait. Parce que c'est vrai qu'on les ficelle les mecs. On les baïonne pas quoi. Voilà. Merde. On les baïonne pas donc c'est un peu con ce que je fais. Après j'ai voulu viser la tête pour que ça l'assomme directement. Peut-être que si ça l'assomme directement. Wow la vache, il a sauté en arrière et tout. Si on les assomme direct, peut-être que ça marche. Alors on a une carte mémoire. Je pense qu'on est bon. Ouais, il nous faudrait des armes. On va prendre ça. Et je crois qu'après, ça serait bien. Alors, cube de voyage pour Thomas. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, oh. Vous avez vu que ces mules là, elles sont un peu différentes aussi. Elles ont pas le même accoutrement, elles sont pas jaunes, elles sont rouges plutôt. Même les camions, pareil. Donc c'est des autres, comment dire, on va dire factions. Ouais, on va dire factions. C'est des autres factions de mules. Donc il y en a qui sont beaucoup plus agressives, il y en a qui utilisent différentes armes. Pour l'instant, celles-là, elles étaient peut-être un peu plus agressives en fait sur les tirs de lancer. J'ai envie de dire, les tirs de lance. Mais bon, après elles étaient pas très très différentes des jeunes. En tout cas pour le moment. On a ça là-bas à aller voir aussi. Bouger le camion. Il y en a encore, il y a toujours l'alarme, donc il y en a encore, mais elles sont loin, et il y en a une, je crois, qui vient de me voir. Ouais, parce que je veux pas abîmer le cube. Vous voyez les matériaux de haute densité, ils apparaissent en fait. Ça c'est parce qu'on est en very hard. Ça c'est parce qu'on est en très difficile. Regardez, elles sont beaucoup plus rapides, j'ai l'impression aussi. Elles sont beaucoup plus vénères.
Ouais, ça c'est parce qu'on est en très difficile. Oh putain, il y en a là-bas aussi qui arrivent. Ramène-toi. Non, on va y aller. Salut, ça va? Ça prendra. Non, on est bon. Il en a encore, il y en a encore. On a bien fait de se... de faire l'infiltration directement dans le camp, comme ça on les a pris un peu par surprise, parce qu'elles sont pas mal disséminées un peu partout. Mais si vous faites attraper en plein milieu du champ, il y en a encore là-bas par exemple. Si vous faites attraper en plein milieu du champ, elles vont prendre les camions et elles vont venir à genre 5 en tout je crois. Il y en a 4 qui s'accrochent au camion et après il y a le conducteur aussi. Donc là, ça devient un peu plus chiant de les combattre comme ça. Mais là, ça s'est très bien passé. Ok, donc on a notre petit cube. Est-ce qu'on peut... Hop. Attendez, c'est pour... Yeah, Sam le cubeur. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire. Hop, on prend un screenshot. Je le prendrai pour hein, quand je ferai le... L'éditage de la vidéo. Ça sera stylé. Je pense que c'est assez safe pour partir. J'ai envie de dire. Parce que j'ai pas vraiment envie qu'on se fasse trouer par des lances électriques. Je pense que c'est bon. Métaux haute densité, céramique. Vous voyez que là, ça fait énormément de ressources en fait. En haute densité, est-ce que c'est des petites caisses à chaque fois? Au lieu que ça soit des grosses, par exemple, là, les jaunes. Là. Tiens, on va regarder ce que c'est exactement. Oh la vache, c'est à peine du 100. Vous voyez? C'est à peine du 100 et ça prend deux places de petites. C'est chiant, hein, c'est chiant. Hein. Mais là, vous prenez les hautes densités, vous avez des petites en fait à la place. Et vous en avez 200 à l'intérieur. Donc vous avez 400 avec deux petites. 400 au lieu de 100. Ça, c'est vraiment... Je pense que cette difficulté du jeu, qu'ils aient rajouté ça... Parce que ça, ça n'y était pas quand j'avais fait sur PS4. J'en récupérais pas autant des ressources. Parce qu'il n'y avait pas encore le mode Very Hard. Et c'est la première chose que j'ai remarqué, en fait, quand j'ai joué sur PC en très difficile. C'est ces caisses noires qui étaient... Au début, en fait, elles étaient très rares dans la version PS4. Enfin, c'était en difficile sur PS4. C'était beaucoup plus tard, ou alors des mules très avancées en fait. Que vous rencontrerez plus tard, je vais pas les spoiler maintenant, vous verrez ça en temps et en heure. Là, elles avaient de temps en temps des caisses noires de haute densité. Mais là, on en trouve dès le début en fait, en très difficile. Et ça, c'est vraiment bien, je pense que c'est vachement pratique de jouer en très difficile. Si vous avez pas trop peur du combat et tout. C'est vraiment vraiment pratique pour la construction. Et je pense que c'est une très très bonne difficulté d'avoir fait ça. C'est une très très bonne chose. On va prendre ça, on va mettre dans le véhicule. Vous voyez, à chaque fois c'est des grosses caisses. Ça sert à rien de prendre ça quoi. L'esprit colmatant, on va le prendre. On a encore de la place. Je crois qu'on peut mettre encore 8 petites caisses. Je crois qu'on peut faire 4 et 4 encore. Ouais, on pourrait faire ça. Ouais, mais bon, enfin...
il reste plus. On a pris le... On a pris le nécessaire, allez, on rentre. Ah, la batterie qu'ils ont, ces trucs là. Oh non, t'es sérieux. Oh mon dieu, ce camion quoi. What can't you do? Oh mon dieu, non. Kojima, non. Oh, t'es sérieux. Sans déconner, Kojima. Ça veut plus sauter. Oh non, il y a plein de trucs. Oh la vache. Est-ce qu'on va pouvoir porter ça sur le dos? Déjà on a ça, puis après on a tous les matériaux. Je sais pas si les matériaux on va pouvoir. Oh, on peut. Et ouais. Parce que vu que c'est plein de petites caisses, on peut. Oh mon dieu. Oh la vache! On a strictement rien vu, ok? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be decontaminating soon. Footwear condition poor. Replacement is advised. Ah, c'est vrai, on a besoin de d'autres bottes. On va y retourner avec un chariot. Everything all right, sir? I gotta hand it to you. Not many guys out there who can do what you do. Les gants anti-gravité. Non, sérieux? Ça, c'est les gants de Alix. Alors, déjà, on va récupérer notre truc. Fabriquer un équipement. Alors, gants permettant de contrôler la gravité afin de saisir les marchandises à proximité et de les attirer vers vous. L'utilisation des gants consomme de l'énergie, surveillez donc bien votre niveau de charge de batterie. Il semblerait d'ailleurs qu'il soit alimenté par une technologie d'un autre monde. Alors... on a des gants dans le jeu, dans Death Stranding. On va avoir des gants comme ça. Mais ils servent à quoi déjà? Je me rappelle plus vraiment. Je sais plus leur utilisation primaire. Ah, je sais qu'à un moment, elle va nous dire à un moment que vous pouvez taper avec. Et genre, ça va faire très mal en fait. Mais je crois que c'est pour porter plus de choses. Ou je crois. Oh, je sais plus vraiment. Mais là, on a des gants anti-gravité qui peuvent attirer les objets. Alors, on peut avoir une arme aussi. Une sorte de grappin, en fait, qui va s'accrocher à des boîtes et on va pouvoir les attirer de loin, ce qui est extrêmement utile. Mais ça sera plus tard. Donc là, on peut faire ça. On va voir. Là, on aurait les deux en un, en fait. On va voir comment ça fonctionne. Parce que vous voyez, on peut mettre les gants.
On peut mettre des gants. Donc dans, même dans, dans Death Stranding, genre le jeu de base, on a des gants. Ah, c'est les gants de Alix en fait. Ouais, avec, ah, avec les cœurs et tout. Oh, regardez, il y a les cœurs. Ça, c'est la vie. Vous savez, le jeu qui vient de sortir, c'est, tout le monde pensait que c'était Half-Life 3, là. Et en fait, c'était Alix. En VR, qui est extrêmement bien. Moi, j'ai regardé pas mal de gens y jouer. Extrêmement bien. Extrêmement précis. Et on peut voir la vie, en fait, sur les gants et tout. Ah, oh, c'est cool. Alors, du coup, nous, on veut ça privé. Transporteur. Un seul devrait suffire. On y va. Alors. Je regardais si ça faisait des étincelles. Parce que les gants qu'on va avoir, ça fait des effets un peu lumineux quand on tape. Parce qu'ils sont électrifiés. Mais c'est vrai que je me rappelle plus vraiment le à quoi ils servent en fait, les gants. Les gants normaux de Death Running. Bon, on le découvrira de toute façon. S'ils nous donnent les gants anti-gravité maintenant, c'est que on va avoir les autres gants dans pas longtemps. Ça serait logique. Merci Sam, encore une affaire rondement menée. En gage de ma gratitude, des gants anti-gravité sont désormais disponibles à la fabrication. J'imagine que vous n'êtes pas forcément très au fait de la technologie de ce monde. Mais je promets que ce sont des gants très précieux. Spéciaux, pardon. Ils ont été développés dans un centre de recherche situé dans les entrailles de la Terre, Black Mesa sûrement. Ce qui porte un symbole particulier, ouais, le symbole de Black Mesa. En parlant de recherche, j'ai hâte de commencer les tests, je ne laisserai personne me griller la politesse. Je ferai donc court concernant ces gants. Vous pouvez les utiliser pour récupérer et porter tout un tas de marchandises, même si elles sont éparpillées, et ce, dans un rayon de 15 mètres. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Notez juste qu'ils fonctionnent sur batterie, bien sûr. 15 mètres, on va voir. Descendre, bah, what? C'est aussi pété que ça? T'es sérieux? Ok, c'est beaucoup mieux que l'arme qu'on récupère après. Alors là, je l'ai mis directement dans le dos. Est-ce qu'on peut... les attraper de loin, genre dans les mains du coup? J'imagine que oui. Oh, ça va être trop bien pour combattre. Je vais voir un peu. Est-ce qu'on peut attraper les grosses caisses aussi? On va se mettre sur le côté. Là. Je vais voir un peu. Ouais, là, ça brille. Oh. Mais c'est top! Ah, vous avez vu? Ouais, même à côté en fait. Genre si je cours. Genre on va essayer de... Genre comme ça. Oh là, ça tue! On peut le faire à l'arrière. Non, il faut qu'on soit devant. Et qu'elle commence à briller. Mais on peut le faire un peu avant qu'elle commence à briller. Je peux attraper des grosses caisses. Ah, merde, je l'ai abîmé. Pardon. Putain, quel con. Je crois pas que les grosses caisses fonctionnent. Oh, merde. Ouais, c'est pas extrêmement précis. Ah, quoique, attendez. Oh la vache. Bon, j'imagine que les gros, les larges, ça marche pas. Faut pas exagérer non plus. J'imagine que ça marche pas. Ah mais il veut même... Ah mais il les ramasse même plus en fait. Ah mais c'est dangereux parce que ça abîme, non? Ah mais c'est pété. Mais c'est complètement pété, mais c'est débile. Mais c'est top. C'est énorme. Donc il les ramasse même plus par terre en fait quand on est à côté. Ouais, par contre, fais voir la batterie. Non, ça va. Non, ça va, c'est bien.
Et est-ce que ça va prendre du transporteur? On peut voir un peu. J'imagine que oui. Ah, peut-être pas. Non, du transporteur, non. Non, non, apparemment, non. Peut-être ça. Ouais, si on est à portée en fait de prendre et de poser en fait sur le transporteur, il les prend. Mais c'est comme si en fait il les récupérait à la main normale. Mais on peut pas les prendre à distance. Mais ça. Mais c'est complètement pété ces gants. Oh, c'est ça qui est bien. C'est que le jeu avait déjà des choses de base et tout ça extrêmement bien et tout. Et ils ont fait des rajouts, genre par exemple ça c'est complètement du rajout pour. Après j'imagine que si c'est obstrué par des rochers on peut pas, marche pas. Ouais non il faut le voir. Faut avoir une ligne de vue directe en fait. Hop. Ah mais c'est énorme. Ah ouais non c'est top top top. Ouais, j'ai envie de dire que il y avait le jeu de base et tout ça qui est très très bien ficelé, qui est très très poli et tout ça. Et ce qu'ils ont, ce que Kojima a fait, enfin son équipe et tout, c'est que donc ils ont rajouté des trucs à thème, donc Half-Life, donc tout ce qui tourne autour de Half-Life, il y a du Portal, il y a du Alyx, il y a plein de choses. Et après maintenant il y a aussi donc Cyberpunk. Mais ils les ont tellement bien rajouté en fait. Dans le jeu, c'est vraiment... C'est abusé, quoi. C'est vraiment top. Vraiment top. Ah, moi, je veux pas dire, mais je suis épaté. Moi, je suis complètement épaté. Ces gants sont vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est vrai que pour la batterie, après on va pouvoir en fait avoir une batterie secondaire. Et c'est vrai qu'au début, moi je l'avais mise, mais c'était sur la version genre PS4. Ah oui, là on pourrait faire des livraisons. Ouais, mais on va pas aller en arrière, on va aller que en avant, donc autant les donner. Je l'avais mis sur la version PS4 parce que c'était le début du jeu, je découvrais, pour avoir tout le temps de la batterie en fait. Maintenant, vu que je connais beaucoup le jeu. Après, j'ai plus du tout utilisé ça. On va zapper. J'ai plus utilisé la batterie secondaire. Là, peut-être à la limite, ça dépend. Ça dépend comment ça se vide. On pourrait. On pourrait en utiliser une deuxième. Je sais pas. Enfin bref, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment top. Alors recycler. Je suis honnêtement je suis épaté. Vraiment vraiment cool ces gants. Alors métaux. Ah j'aurais dû en mettre plus. Ça très bien. Alors. Métaux. 2, 4, 6, 9. Yes, ok, y'a rien qui dépasse, parfait. Voilà. Comme ça, leurs ressorts sont quasiment pleines. Ah, très bien, et on va prendre ça. C'est débile, c'est énorme. C'est top. C'est top. Par contre, je vais juste faire une petite pause et je reviens vite. Donc on est reparti. Désolé pour ça. Je vais faire une coupure en pleine vidéo, j'aime pas trop ça. Du coup, vu que je suis allé sauvegarder, on a eu un email en plus. Vous êtes un modèle.
Merci, merci beaucoup. Donc on a toujours nos gants. Oh, ils sont top. Voilà. Alors, livraison pour Sam. Donc nous on doit aller là et là. On peut prendre les deux. Ferrailleur, c'est pas très compliqué. Réalisateur, c'est pas très compliqué non plus. Qu'est-ce qu'on a après d'autre? Non, après le reste c'est loin et tout ça. Enfin, c'est surtout pas sur notre chemin. Donc on va prendre ces deux là. On a de l'urgent, donc ça veut dire que c'est chronométré. C'est chronométré. Sur nous, on a quoi? Donc on a nos super gants. Dans le dos, on a le lance-pola. On a un deuxième lance-polas. On a un flottant. J'ai envie de dire qu'on pourrait prendre un deuxième flottant. Est-ce qu'on a besoin de prendre tout ça? J'ai envie de dire qu'on peut charger en fait notre équipement sur un truc et puis après on se débrouille quoi. Encre d'escalade, hop. C'est pas ça du tout que je vais faire, c'est ça. Ouais, très bien. Après est-ce qu'on prend plus? Je pense pas. Honnêtement les sprays j'ai tendance à en prendre un peu trop. Mais vu que les sprays eux-mêmes peuvent s'abîmer en fait avec la pluie, la boîte en fait elle s'abîme au bout d'un moment. Donc du coup bah oui c'est bien de toujours en avoir de plein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on pourrait faire de la moto. Non, on va juste courir je crois. Ah quoi que je peux peut-être mettre tout ça sur la moto. Il nous faudrait les camions, il faut vraiment qu'on débloque les camions. Je crois que je peux débloquer les camions, je vais être honnête, je crois que je peux. Alors, on va voir si on peut pas tout mettre sur la moto. Je suis quasiment sûr qu'on peut débloquer le camion déjà. C'est juste qu'il faut avancer dans les étoiles. Mal. Je sais même pas laquelle de livraison. J'ai même pas fait attention. C'est laquelle? Commande numéro 30. Je sais plus du tout la limite de la moto. Je crois qu'on est arrivé à la limite. On va y aller. Alors attends. C'est quoi la livraison? Ferrailleur, centre. J'ai du mal des fois à me repérer en fait sur ce qu'on doit livrer. Ok, c'est ça là. C'est destinataire, c'est le ferrailleur. Donc on va d'abord aller au ferrailleur. Ok. Yes, réalisateur, non. Ferrailleur. Let's go! Sam, it's Fragile. Though he calls himself a junk dealer now, your client used to work in comms as a repairman. Could fix anything, from simple wireless terminals to integral parts of the Civic network. He was a good man, a pleasure to deal with. But after the attack near South Knot City, he changed. Not that I blame him. We gave him plenty of reason to distrust us. J'ai failli tomber. Ça serait bien qu'on puisse attraper les boîtes et tout ça depuis la moto. Ce serait vraiment classe. Véhicule détruit par un échoué attentionné. Première fois que je vois ce message. Première fois. Ça devrait être bon, c'est juste qu'il y a des mules qui nous ont vus en fait. On n'a pas été pingé par le... Par le scanner, on a été vu par des mules. Ouais, c'est celle-là qui nous a vus. Merde, c'est une mule ça?
passe. J'évite toujours de faire des sauts parce que c'est pas très très fiable, on va dire. Enfin, pas fiable. On va dire que c'est dangereux, hein. Surtout quand on transporte du matos. Okay. Surtout ici, parce qu'il y a plein de rochers et de cailloux. Donc c'est un peu la catastrophe. Très bien. On n'a pas regardé. Ouh. On n'a pas regardé s'il allait y avoir des intempéries. Et c'est possible. C'est possible. Vraiment pas de chance avec les véhicules en ce moment. Allez, allez. Ah, c'est bon. Voilà. Ah, très bien. Parfait. C'est très bien passé. Delivering cargo. Nut jobs and their buddies at Fragile fucking Express, not to mention the Bridges assholes who had to go and kick the hornet's nest. Whatever, let's see the goods. You make good time, like you're supposed to. That's your job, isn't it? Parfait. On va rencontrer des gens comme ça qui nous aiment pas du tout, enfin ils aiment pas Fragile Express parce que bon, comme Fragile nous l'expliquait. Mais on va rencontrer des gens qui sont un peu difficiles. As far as I'm concerned, all you porters are no better than terrorists. And nothing you say will convince me otherwise. So take your Cupid and fuck off. Ok. Something tells me that if we want to win him over, we need to figure out what really happened to that woman in the hologram. He seems to think she died in the attack. But we checked South Knot City's records, and there's no death certificate for a woman matching her description. Which is why I asked Fragile to look into it. Hey, Sam. I was looking through my old client database on the off chance I might find our mystery woman. And wouldn't you know it? A pretty close match popped up, facial and voice. She's still alive. Our junk dealer's grieving for nothing. I doubt he'll take our word for it, though. Hang on, he just posted another order. Probably just trying to push our buttons. May as well check the delivery terminal and see what he wants. Okay. Good work. New order available. Ça va être comme l'autre sûrement, il va nous donner un truc impossible à faire. Oh, collecter des vieux composants. Laisse-moi deviner, oh, c'est en territoire BT. Oh bah alors, oh, bah, je suis tellement surpris. 110 kilos de... Oh putain, merde. 110 kilos de composants. On y va. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça aussi à livrer. Normalement, il n'y a pas de temps avec celui-là. Ouais, non, c'est bon. Alors là, il y a plein de choses à détruire. Il faut aller les balancer dans le lac cratère. On va le faire, mais plus tard. Je crois que c'est pour un succès ou un truc comme ça. On va aller au réalisateur d'abord. Parce
qu'on peut passer? C'est tellement le bordel ici. Alors par contre, si je dis pas de conneries, ça va être du... une averse là-bas. On pourrait regarder sur la map. Donc je pense qu'on va devoir laisser la moto. On va voir. Une petite averse pour le moment. Ah, faut que peut-être... Oh non, ça va, ça devrait aller. Ok, bordel pour passer ici. Après, je vais être honnête, vous n'êtes pas obligé d'y aller en moto comme ça, comme ce que je fais. Parce que normalement, je pense que tout humain avec un cerveau aurait laissé la moto. Parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Il aurait laissé la moto et on serait pas parti à pied. Mais bon. Vu que nous, on aime bien s'amuser. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'ils sont top, ces gants. Je sais pas combien de fois je vais le dire. What do we have here? A delivery for me? This is in great shape. Excellent work. Très bien. Infamous chiral network. I'll agree to a trial run, but just of the network. UCA is a whole other matter. So you can connect me, yes? Well, okay. Go ahead then. Très bien. Ce qu'on va faire, parce qu'après ça va faire une vidéo un peu trop longue. On va peut-être s'avancer de la zone où on doit récupérer les 150 kilos là. Et on va peut-être s'arrêter devant la zone et on commencera avec ça. La prochaine fois, le prochain épisode. Très bien. Interesting. I'll think about joining the UCA at a later date. I have something for you. A token of my appreciation. Oh. Take it. I insist. Ooh, des lunettes. J'y ai frais, lunettes de soleil sale. So long, Sam Bridges. Thank you. Good work. New order. Je crois que c'est le mec qu'on a vu là, qui est pas vraiment facile avec nous, qui nous fait les gants spéciaux, de ceux dont je parle à chaque fois. J'ai envie d'enlever le deuxième flottant, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup en fait. J'aime, en fait, au bout d'un moment du jeu, quand on a les flottants et tout ça, là, les transporteurs, j'aime pas trop me surcharger d'objets. Non, ça va, on va se débrouiller comme ça. Très bien. Ah, ben, y a une route! Semblant de route. On va se mettre là. Voilà. Tout est bon. Qu'est-ce qu'on a là? Réalisateur. Mais c'est juste là, non? Ok. C'est juste là. Je suis pas débile quand même. Bah oui. Ils sont top ces gants. Oh là là.
beginning scan. Scanning bridges. Keep on keeping on. Verifying IDs. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cadeau. C'était juste devant. Pas très loin. On va zapper ça. Good to see you, Sam. Sorry for the hassle. Ah, ouais. Man. I don't even know what to say. Bah t'aurais pu sortir de chez toi, hein, faire deux pas. Et... bah y'a peut-être le couvre-feu et tout ça. Thanks for that, Sam. I expect I'll have to call you again in the future. Ça aussi, c'est vrai qu'il faut bien penser que les gens sortent pas parce qu'ils ont pas de protection, ils ont rien quoi. C'est pas nous, on est, ils sont pas des... Maintenant il y a un pont, ça marche. C'est pas des aventuriers, vous voyez ce que je veux dire. Non mon dieu, la moto. Non mais le pont là, tu m'aides pas en fait. Je vois pas pourquoi il a autant de likes, le pont m'aide pas du tout. On va le virer, ça j'aime pas. Normalement on peut le virer, je crois. Comme ça. On est de la structure, démonter. Faut que je vire la moto. Avance Sam, avance. Arrête de regarder là toi. Voilà. Oui parce que là ça aide pas du tout hein, on est d'accord. Donc moi je l'ai détruit dans mon monde. Le mec. Il l'a toujours dans son monde, évidemment. On va voir si on peut... Oh non, on peut attraper ça de loin. Tu te fous de moi. Mais c'est trop OP. Mais c'est trop OP, en fait. On peut mettre ça ou pas? Ah, yes. C'est quoi la limite, du coup? Je pense que c'est... Je pense que c'est ça. Je pense pas qu'on puisse avoir une rangée de plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre 2, 4, 6... et c'est tout en fait. Donc là ça vaut 2, 4, 6 pareil. Donc là c'est équilibré. Quoique non, ça vaut 4. 4 petits, ça vaut 4 petits ça. Donc on pourrait mettre encore 2 petits sur le côté gauche, je crois. Moto là-bas. Donc nous on doit aller. Lieu de collecte, c'est là-bas. Mais c'est quoi ce que je viens de récupérer? J'étais tellement fasciné par le fait que on puisse l'attraper de super loin avec les gants anti-gravité là que je sais même plus. J'ai même pas fait attention à ce moment. Un refuge, c'est pas mal. Avant, on se passait dans les salles de cinéma. Aïe aïe aïe, putain, mais. Kojima, il a tout prédit, hein. Il a tout prédit. Alors, mise au rebut. Un tas de déchets s'est constitué près de mon abri. Continuez, Chiralium. Je veux dire que le seul endroit où ils peuvent être mis en rebut est le lac du cratère au sud. Ouais, on peut faire ça. On va peut-être le faire à l'occasion. Avant, on se pressait dans les salles de cinéma. Eh ouais, avant aussi. C'est vrai que ouais, l'année dernière, enfin, en 2019, on faisait ça. Depuis 2020, on le fait plus. C'est bien. Ouais, on le fera après le cratère du sud. Attends, c'est là-bas. On va juste s'approcher, comme j'ai dit, de la zone et après on va s'arrêter. Et je prends vraiment la route la pire au monde. Quoi. On va peut-être pas trop s'approcher, on va regarder un peu le temps. Ouais, on va s'arrêter. On va s'arrêter là.
Alors, ferme de, des précipitations. Là, on a une échelle, une escalade, donc, etc. Sur nous, on a... On a ça. On peut pas. Ouais, non, on peut pas parce que ça, ça fait... Quoique, non, en fait, la taille, non, c'est 3-3. Hein. Ça fait, c'est 3 fois 2. Hein. Non, non, c'est bon, c'est normal. C'est 3 fois 2, des deux côtés. On va garder ça. On a quoi d'autre sur le dos? On a un CCP. On a un CCP. On peut construire un CCP de protection là-bas, à l'intérieur. Après, on a ça. Ouais, on construira un CCP de protection à l'intérieur pour se protéger, enfin pour se réparer les choses. Et on utilisera le transporteur pour... on va se reposer. On utilisera le transporteur pour récupérer les 150 kilos là. Ouais. Mais en tout cas, vraiment cool. Épisode vraiment cool. Découverte de nouveaux objets. Je pensais vraiment pas que les gants étaient aussi complètement pétés au final. Ils sont vraiment vraiment cool. Je me demande si on est bas en vie, est-ce que ça change les cœurs? Genre là, il y a écrit 100. Ça, c'est la batterie. Je me demande si c'est possible. C'est possible même que ça change en fait. Faudra faire attention. Faudrait qu'on regarde de temps en temps. Jamais il y a des colliers blancs et tout dessus. Genre, on voit vraiment que c'est créé par. Fait à la va-vite quoi. Enfin, créé avec ce qu'on a sous la main. Les gants aussi sont sympas, les gants eux-mêmes par contre, je veux dire. Genre avec les bouts des doigts jaunes et tout ça. Ça va, c'est cool. Ah, il s'est endormi, Sam. Il s'est endormi sans que je lui dise. Il doit être super fatigué en fait. Vous avez vu? J'ai pas dit de s'endormir, j'ai juste dit de se masser les épaules. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine et on continuera. On enchaînera en fait sur ça là-bas, sur ce lieu-là. Voilà. Dormez bien, reposez-vous, c'est important. Ciao, ciao.